Voici Philippe Martinez. Non, non et non. Oui, 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 nous disons non. Mais enfin... Je savais pas que Philippe Martinez, il faisait mannequin à la Redoute aussi. On fait ce qu'on peut. Monsieur Martinez, excusez-moi, mais il n'y a rien d'écrit sur votre pancarte. Bah ouais, mais en ce moment, j'arrête pas. Les EHPAD, les prisons, la réforme du bac et maintenant les grandes surfaces. J'ai pas le temps d'écrire des pancartes, moi. Heureusement, j'ai un slogan qui passe partout. Même pour protester contre la neige. Non, non et non. Oui, 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 nous disons non. C'est quoi, c'est blanc. Oui, c'est blanc. Cette fois, c'est une mannequin. C'est blanc comme neige, c'est Mars. Mais... pour un mannequin. Bravo, bravo, Fifi. Oui, mais sauf que là... Il est décontracté. Ce qui est génial, c'est que je pourrais te laisser une heure comme ça. Oui, mais vous êtes venu nous parler des grandes surfaces, là, monsieur Martin. Oui, c'est vrai, de Verdier, oui. Alors, il faut que je retourne la pancarte, c'est là qu'il y a les revendications. Voilà, regardez bien. Du cul riz en promo. Des quenelles de brochet. Des poils pour faire des crêpes. Ah, cool. Le micro. Ouais, le matériel français, voilà, camarade, voilà. Et dites donc, les moustaches, ça serait pas la queue du chien de... Excusez-moi, monsieur Martinez, mais... Ça fait la femme de Jean-Marie Perrier. Bah, les poilus, pareil, hein. C'est vrai que... Alors, on semblait un coquet, un peu. C'est une liste de revendications ou une liste de courses que vous nous faites, là? Les deux, camarades, les deux. Quand elle a su que j'allais manifester devant un supermarché, ma femme m'a dit « t'en profiteras pour faire les courses ». Pour une fois, tu seras utile à quelque chose. C'est vrai que quand j'allais manifester pour les Continentales, je lui ramenais des pneus. La semaine dernière, quand je suis allé soutenir le personnel des EHPAD, je lui ai ramené un dentier, un tube de crème anti-escar et un déambulateur. Du coup, on m'a fait la gueule pendant 3 jours. Des miches de pain doré. Oui, avec quel jeu. Oui. Vraiment, oui, c'est une leçon de comédie. Ah, oui, c'est... Bah, c'est travaillé. Il y a un déranger. Donc là, vous achetez votre pain et vous vous mobilisez contre les suppressions de postes à Carrefour. Exactement, camarade, exactement. Et comme il me faut aussi du fromage, des seins nectaire fermier. Il y en a une qui s'y connaît, hein, bon. Mais attention, camarade. C'est pas parce que je profite des prix les plus bas que je vais accepter les effectifs les plus bas. Avant, au moins, les magasins mammouths, ils écrasaient les prix, pas les employés. Salaud de patron, ouais. Ils vont fermer les magasins franchisés du groupe qui emploie 2100 salariés. Et là, on peut pas demander aux politiques d'intervenir. Ils sont pas compétents puisqu'il s'agit de franchise. Oh, joli. Joli. Je vais vous dire, tout ça pour pouvoir continuer à filer du fric aux actionnaires. Parce que de Verdier, ça marche comme ça dans les grandes enseignes maintenant. On refuse tout aux employés. Mais pour les actionnaires, c'est toujours la grande distribution. Oh, mais est-ce que... Bravo. Bravo, Pépone. Et alors, qu'est-ce que vous envisagez alors comme type d'action? On a plein d'idées, là. Déjà, on va coller la tête du PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, sur les boîtes de riz. Parce que le riz, ça constipe et lui, il nous fait chier. Merci, camarade. Mais c'est pas fini. Au lieu de distribuer des dividendes aux actionnaires, on va les rémunérer avec des produits du magasin, mais uniquement des produits Lactalis. Et puis, il y a aussi l'appel au boycott. Si Carrefour joue la roulette avec son personnel, autant aller chez Casino. Tant que pour leurs employés, ils préféreront la rue, nous, on préférera Auchan. C'est pas fini. Festival. Tant que les plans de licenciement resteront dans l'ombre, on ira chez Leclerc. Bravo. Joli. Joli. C'est pas fini, camarade. C'est gratuit. On n'a pas d'intersyndical, on ira chez Intermarché. Bravo. Je crois que j'ai cité toutes les marques pour respecter l'équité et pas être emmerdé par le CSA. Heureusement que c'est pas la supérette de M. Ali à Barbès qui est en grève, parce que si j'avais dû citer toutes les épiceries arabes de France, j'en aurais eu pour 3 jours.
Et vous n'avez pas peur de l'intervention des forces de l'ordre? Pas du tout, pas du tout. Ah bah, il est sans filtre. Pas hein, du il a, tout. Avec les camarades, on a déjà monté des barricades au rayon volaille pour attendre les poulets. Et on s'est approvisionné en oignons au rayon des fruits et légumes pour leur balancer des grenades lacrymogènes bio. Pas con, hein. Bon, ben, je vous laisse parce qu'il faut que j'aille au rayon des couches, pareil qu'à des débordements. Mais auparavant, je vais demander, camarades, aux caissières d'abandonner leur poste de travail. Et je peux vous dire que quand elles vont lâcher leur caisse tout en même temps, oh non, ça va faire du bruit. Oh non, c'est pas vous possible. Allez le sentir passer, le vent de la colère, croyez-moi. Depuis le temps qu'à la CGT, on dit qu'il faut que ça pète, eh ben c'est parti. Dépêchons-nous d'agir. Ça chirurgien dentiste. Salut, camarade. Philippe Martinez. Michel Guidoni.